In the previous episodes of Life is Strange. Whoa! It's called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelman Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Salut tout le monde, c'est Orlink et bienvenue pour le premier épisode de la partie 3 de Life is Strange nommé Chaos Theory. Je suis super content de vous retrouver sur Life is Strange, un jeu que j'adore, franchement. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore. J'adore le concept, j'adore le type, j'adore le... J'adore. On se retrouve la nuit du précédent épisode, oui. Donc de l'épisode 2. Épisode 2 où on a tué puis sauvé Kate qui a voulu se suicider en sautant du toit. Et donc on est la nuit d'après. On a reçu un message de Chloé qui nous dit qu'elle avait quelque chose à nous montrer et qu'on devait aller sur le parking. Donc c'est ce qu'on va faire. D'abord on va faire un petit tour.
et à la plante. First I save Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Attendant, on l'a pas sauvé du premier coup, Kate. Alors le lapin. Are you hungry, bunny? Here, nosh on this. Il est mignon, le petit lapin. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. Ouais, c'est sûr. Allume la lampe. Bon, ça sert à rien. Éteins la lampe. Ordinateur. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. L'actu en ligne d'Arcadia Bay. Tentative de suicide d'une étudiante au campus de Blackwell. Arcadia Bay, Oregon. Une étudiante de la prestigieuse Academy Blackwell a failli se donner la mort aujourd'hui en sautant du toit d'un dortoir du campus sous les yeux ébahis des élèves et enseignants présents sur les lieux. Les autorités ont pu confirmer que l'étudiante en question, Kate Marsh, âgée de 18 ans, semblait traverser une période difficile, mais nous ne disposons pas de plus d'informations pour le moment. Des dizaines de smartphones ont filmé l'incident, et les enregistrements montrent une étudiante non identifiée convaincre Mademoiselle Marsh de descendre du toit. C'est nous, ça. Cliquez sur ce lien pour visionner les vidéos et en savoir plus. Ben, génial. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. En attendant, il y en a qui partent, hein. Il y en a qui disparaissent. Liste de personnes disparues, Arcadia Bay, Oregon. Veuillez immédiatement contacter les services de police d'Arcadia Bay si vous disposez d'informations pouvant nous aider à retrouver ces personnes. Rachel Amber, disparue depuis blablabla. Elton Casey, Melissa G. Lee Grayson. Winston Smith, Sunshine Ray, véritable nom inconnu. Ok, donc le premier serait disparu depuis 1973, ce qui, ouais, c'est il y a bien longtemps. Ok. I sure hope these people treat her better when she comes back to school, if she does. Kate Beverly Marsh, bon rétablissement dans nos cœurs, plein de pensées pour toi, Kate. Je pense à toi. On t'aime, Cathy. Reviens bientôt à l'église. On est tous avec toi, Kate. J'espère que tu vas aller mieux. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les Bigfoot de Blackwell promettent de remporter le prochain match pour toi. Tellement d'hypocrite. À la base, il l'a martyrisé. Et maintenant, ils sont là. Oh, j'espère que tu vas aller mieux. Nanana, nanana. Hypocrite. Va. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Le temps est une absurdité, Douglas Adams. Max Power, tu es en première page, Max. Eres una chica dura. Magnifique accent espagnol. Grâce à toi, je suis fier d'être à Blackwell. Bravo, Max, bien joué. Épique. Te voir descendre du toit avec Kate était la chose la plus géniale que j'ai jamais vue. Merci. Tu es une véritable héroïne, Max. Merci. Ça aussi, des hypocrites. Y'a qui ? Y'a Juliette. Il y a Juliette qui a écrit. Warren. Ouais, bon, Warren, c'est normal. C'est normal qu'ils nous disent Max Power. Daniel Dacosta, je crois que c'est celui qui dessine ça. Evan Harris. Je crois qu'on le connaît. Ça me dit quelque chose, en tout cas, Evan. Aiden. Ça me dit un truc aussi. Brooke. C'est la fille qui était dans le laboratoire. Comment elle est déjà? Je crois qu'elle est brune avec des lunettes. Bon. Et Dana, tu es une véritable héroïne. C'est notre petite Dana, celle qui habite au bout du couloir là-bas, dans l'internet. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Ouais. C'est sûr. Ew. Thanks for the image, Nathan. And everybody here thinks Samuel is a creeper? Oui, on l'avait déjà vu, ça. C'est bon. Chanifié, regardez.
ouvre. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof, and I will use my power to find out why. This has to end. C'est vrai. Il faut que justice soit faite. Bon. Par là. Bon allez, on va sortir. En plus du temps, bon, on s'en fiche. On sort. Oh, il fait noir. Ça va faire tout noir. Okay, this is scary dark. Let there be... Let there be light plutôt, non? Ok. Wherever you go, there I am. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Où que tu ailles, je serai là. Bon. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Y'a carrément des trucs de police sur la porte de Kate. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. So much hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a marqué? We miss you. Get well soon. Get well soon. Blackwell is praying for you. Donc Blackwell prie pour toi. J'arrive pas à lire. I hope you get better soon. J'espère que tu iras mieux bientôt. Ouais. Des hypocrites quoi. Dana, la porte ouverte. Oh, il y a de la lumière là-bas aussi. Bon. On va aller voir Dana. Il y a marqué quoi sur l'adresse? On t'attend, Kate. Salut Dana. I better go meet up with Chloe. Oui, mais. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. I was lucky. That's all. No, girl. That was not luck. You made a choice to save her. Like a superhero. Then maybe it's time to catch the bad guys. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. I am wiped out, Max. We'll talk later. Ok, donc on revient dans le temps. Apparemment, on pouvait dire autre chose. Voilà. Hey Dana. Passe. Tous responsables. I think. True. Ouais. J'ai eu de la chance. I was lucky. No. Then maybe. So what exactly? Qu'est-ce qu'on peut changer dans le dialogue? Je suis pas sûr. I'm getting scared. What? Victoria, not me. Ah, on peut rien changer. Bon, ça avait fait la bulle pour dire qu'on pouvait changer. Bon. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Oh. D'abord, on va aller dans la douche. Ah. T'es là, toi? Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh, man. Like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later.
Ok. Même sa pote, elle sait même pas où est-ce qu'elle s'est barrée. Bon. Eh ben maintenant, ben... On va aller fouiner un peu. Non, c'est pas ça. C'est l'autre touche. Voilà. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Eh ben, commençons. I'll title this one, Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Victoria qui la pointe du doigt aussi. J'aime pas ça du tout. Tiroir. Ouvre. These socks cost more than my wardrobe. Merci pour cette intervention. Rien des chaussures. Those boots are made for walking runways. Rien d'intéressant. Victoria is about as street as me. But she really appreciates style. Encore rien à foutre, on va regarder son ordinateur, tiens. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. De Victoria à Taylor. Coucou, sweetie. Ça va? Je suis en train d'ignorer des devoirs de science méga chiants. Comment tu veux qu'on se concentre sur des putains de devoirs alors qu'on vient d'assister à une tentative de suicide? Je crois pas qu'on ait vu ça en live. On se serait cru dans une émission de télé-réalité. Le campus a jamais été aussi silencieux. Comme si tout le monde se cachait, mort de trouille. Ouais, je me sens vraiment merdique pour tout ce que j'ai dit sur Kate et pour cette vidéo débile. On appelle les autres et on se retrouve ce soir. On s'en fout du couvre-feu. Miss Victoria a besoin d'un bon cocktail. On trinquera à la santé de Kate. V. De Taylor à Victoria. Cette journée était vraiment ouf. Voir Max et Kate comme ça, j'ai besoin de boire moi aussi. Dis-moi l'heure et j'arrive. Sweetie. This is like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. De Nathan à Victoria. Max la Poufias, cette tête de gland émo m'a fait suspendre, la grosse salope. Ouh. Mais merci. T'y crois, toi? Mon père est propriétaire du putain de dortoir où elle se touche avec ses selfies. Mes parents ont pété un câble et menacé de me filer un putain de taf au bureau de mon père. Tu m'imagines représenter mon daron? Il est débile ou quoi? Max Crackfield et Blackwell doivent payer, putain. Personne n'annulera cette putain de fête de la fin du monde, ok? A plus, Prescott. De Victoria à Nathan. What the fuck? T'es sérieux là? C'est des conneries! Pas moins que tu te fasses renvoyer de Blackwell. Je savais que Max allait nous faire chier dès que je l'ai vu. Dès que je l'ai vu faire sa lèche-cul avec Monsieur Jefferson et jouer avec son appareil rétro. T'as remarqué qu'elle portait la poisse à tous ses potes? Et oui, le Vortex Club apportera la fin du monde à Blackwell, quoi qu'il arrive. Je t'envoie un texto pour qu'on arrange un rendez-vous complot. Courage. Un rendez-vous complot? Est-ce qu'elle est vraiment allée partie boire un verre? C'est très français ce que j'ai dit. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Ok, donc ça c'est la facture de... de la presserie, je pense. Où est-ce que, où elle a fait nettoyer son gilet qu'on avait dégueulassé. Victoria's secret. She's a geek. Oh. Ça brille la nuit. On va pas se demander ce que c'est. Je préfère oublier. Victoria must have her own power if she found time to steal this from my room. Good job. Rien de très intéressant pour l'instant à part les emails. Here they are getting loaded with Satan. Les deux couillons. Est-ce qu'il y a autre chose? First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Ouais, c'est sûr. Chercher. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper.
Oh, la tricheuse. Si elle triche en plus, ça sert à rien. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Bon, apparemment, on aurait tout fouillé, donc on peut se barrer. Il y avait rien de bien intéressant, sauf les emails où on apprend que Victoria et Nathan comptent se donner rendez-vous pour faire un complot. Je sais pas trop. Et donc maintenant, on va aller voir Chloé. Elle doit nous attendre depuis le temps. Il y a plein de lucioles partout. C'est so joli. Chloe is waiting for me in front of the main hall. Devant le hall principal, d'accord. On va fouiller un peu par là d'abord. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Oh, it's unlocked. Oui. I hope Sammy wasn't around. Ok. Mais on va fouiller. Oula. Elle a des mouvements bizarres des fois. Genre, elle se retourne d'un coup. C'est bizarre. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Je sais pas. Après, c'est peut-être un objet trouvé, hein. Bon. Pouf. Who knew Samuel was so into runway fashion? Peut-être qu'il est gay. Ça m'étonnerait pas. Ce serait drôle, même. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Hein? Nothing but tools. Et la boîte? Nothing here. Rien. Oh, oula. Oui, j'arrive. Oula, attends. What? Maman. Max, chérie, appelle-nous quand tu peux. On est tellement fiers que tu aies réussi à sauver cette jeune fille. On va avoir de tes nouvelles. Pense à nous faire signe. On t'aime fort. Désolé maman, je t'appelle dans quelques minutes, promis. Merci de m'avoir écouté, m'extasier sur tes prouesses. Le son de ta voix me manque. On est très fiers. Profite de ce moment. Bla bla bla. On t'aime, Maxine Berk. C'est moche. Numéro privé. Yo, sale pute, tu vas mourir avec toutes les familles nazies. Oula. ok. Et Warren. Yo Max, je voulais juste te redire que t'as été trop génial aujourd'hui avec Kate. Je te ferai une cape de super-héros sur l'imprimante 3D du labo. Appelle-moi si t'es pas trop occupé à sauver le monde. Et tu as bien mérité un dîner en plus de notre escapade simiesque. Appelle-moi. Merci Warren, je vais ranger ma cape ce soir. Nathan s'est fait exclure en plus. Bonne journée donc. Je t'appelle plus tard, ok? Bon. Et bien on se fait encore... Non, ça c'est le père. On se fait encore... martyriser. C'est cool. Mais j'en ai rien à foutre, il s'est fait exclure, c'est tant mieux. Je peux rien faire d'autre? Non, oui, non, oui, non. J'ai cru voir un truc là. Ah non, c'était les trucs. Boîte à outils, on a vu. Ok. On se barre. Ah, il y a une écureuil qui saute là-bas. Coco? Coco, l'écureuil? Eh, l'écureuil? L'écureuil? Eh bé? Tu viens pas? Eh, viens. Viens, reviens, voilà. Non! Je peux rien faire avec l'écureuil. Je peux pas le prendre en photo? Non, mais. Hop! Si! Là! Put the lens and say nut. Gotcha! Cool! Et ça fait un succès. Et
j'ai déjà raté une photo. Merde. Bon, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, je compte pas faire un 100%. Hein. Je compte pas voir toutes les photos. Bon, s'asseoir. Non. Faut qu'on aille trouver. Oh, the most magical insects. Burn bright. Il faut qu'on aille trouver Chloé avant que je me fasse couper. Y'a rien d'autre à faire ici? Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Il est rentré? Oula. Est-ce que je peux pas remonter jusqu'au moment où il arrive? Vas-y, passe. Remonte. T'en gagnes du temps. Allez. Max the Ninja strikes again. Yeah. Allez. Direction le campus. On devrait normalement trouver Chloé. Ok. Booyah! Oh putain, j'ai eu peur. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey, Chloe, fait trop peur. I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to... Oh, yeah. Manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. I can still feel David's hand on my face. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully, the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close.
Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Pute. Are you fucking kidding me? Quelle pute! C'est vraiment une chaudasse, elle. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Ah la pute! Au moins Jefferson, il a les pieds sur terre. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Oh là là! Oh là là, on va aller en prison! Oh, on va fouiller le bureau du proviseur en plus. Oh là là! Est-ce que je peux fouiller ici? Oui. I feel bad for the twee hipster who lost this beret. I bet he's cute. Bon, t'y arrives toi là-bas? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Ok, bah cherchons la clé. Nothing here. Des dossiers. Ici. Dead end. Encore des dossiers. Ici. Non, c'était pas celui-là. Bon. Moi, je fais celui-là, s'il te plaît. Merci. Boring. Pop, 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 pop. Alors, armoire à clé. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren. You busy? Just bubble hearth. You'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun.
Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Ok. Donc on va devoir construire une machine apparemment. Oula. Attends. S'il te plaît. Alors. Écoutez attentivement, 007. Tu dois trouver 4 objets. Du sucre, une canette, du ruban adhésif, du chlorate de sodium. Voilà comment tu vas faire. Ok. Bon. Des questions. Du chlorate de quoi? C'est juste une poudre qui sert à créer du dioxyde de chlore. Ah oui, tout le monde sait ça. Alors tu vas vraiment essayer? Ce qui compte, c'est d'essayer, non? Comme je disais, je m'incline devant tes connaissances. Là, si on se fait choper avec le message de Warren, il y a Warren aussi qui prend. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous fallait déjà? Oui, j'ai déjà oublié. Il est où Warren? Warren. Alors, du sucre, une canette, ruban adhésif, chlorure de sodium. Bon, on va aller au plus simple. Le chlorate de sodium. Ah, du sucre. Distributeur de sucre. Release the Kraken. Ah, mais non. It's all mine anyway. Je sais pas combien elle disait que ça faisait comme un distributeur de sucre dans le premier épisode. J'ai eu un petit flashback. Allez hop. La classe de science. Alors. I hate that formalin smell. Copie d'examen. An A-? Alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Le sucre. Prends le sucre. Oh, on peut changer la note. You deserve way more than this for taking on Nathan, but every little grade counts. Yes, I like this plus better than that minus. Thanks for being there for me, Warren. Non. Reviens. Ça peut créer des embrouilles, ça. Donc je ne le fais pas. Donc le sucre. Prends le sucre. Ooh, sugar. You're halfway home, Max. Ok. Chlorate de sodium. Ah. T'es là? T'es explosé ou quoi? Max? Toujours là, en un seul morceau pour l'instant. Je dois me concentrer là, plus. Ok. Donc, chlorate de sodium. Tag. Il faut qu'on trouve le chlorate de sodium. I never said they were great, troll. Chlorate de sodium. So, sodium chlorate is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Okay. Donc, en gros, faut qu'on trouve du désherbant. Donc, il nous faut du désherbant et du ruban adhésif. Où est-ce qu'on a trouvé du ruban adhésif? Parce que du désherbant. Je pense qu'on pourrait en trouver dans la petite cabane à côté des dortoirs. Mais le ruban adhésif, peut-être dans la classe de Monsieur Jefferson. Pas là-bas. Ah. Ou dans un casier. So glad you still have your locker, Kate. Pas parlé dans mon casier. Je crois qu'il était là-bas en plus. Y'a pas un casier qu'on peut ouvrir qui est celui de Max? Non? Bon. Ouvre la porte.
This is like a scene in a horror film. C'est vrai que c'est plutôt lugubre l'ambiance. Photo du concours. Oh. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. En attendant, ta photo, elle y est pas là. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Non. Non. Un cimetière, non. Bof, j'aime pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas du ruban adhésif par là? Ah, si. The tape is mine. Only one more ingredient. Et donc il manque le désherbant. Où est le désherbant? Est-ce qu'il est possible de sortir? Déjà on va voir là. Non, on peut pas. Est-ce que c'est possible de sortir pour retourner au dortoir? Ou alors de trouver une porte ouverte par là? Dans la toilette, je pense pas qu'il y ait du désherbant. Ah, on peut y aller. A long time ago, Nathan got smacked down. Est-ce qu'on peut sortir? Non, on peut pas. Pas du désherbant par ici. Chapeau de chasse. Désherbant. What? Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Bon, d'accord. En tout cas, on trouve pas le désherbant. Il est où le désherbant? Vraiment pas sortir? Non. Désherbant ou... Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Bah, j'ai déjà fouillé le labo. On va y retourner, mais... Allez, on est reparti pour un tour. I probably should find those items now. Merci, c'est ce qu'on est en train de faire. Un tag. Non, peut-être en haut là. Matériel de chimie. No, this mixture doth not work. Ok, ok. Aquarium. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, fish. Et prends ta photo. Thanks, yeah. Fish. Nice work. Et tu re-éteins. Please resume your slumber. Waouh, quelle magnifique photo. Donc, repartons à la chasse du désherbant. Ici, non. Dans une porte en bas. Non, il n'y a pas. Ah, ici peut-être. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Ah. Désherbant. Max, here's the sodium chlorate box. Je vais essayer de le prendre et elle va trébucher et ça va tomber par terre et... You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Merde, elle m'a pris au dépourvu. Voilà, c'est bon, on a tout. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Eh ben, on lui montrera dans le prochain épisode. Parce que ça commence à être un petit peu long.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis super hype à l'idée de reprendre cet épisode 3 de Life is Strange. Tu veux pas rester dans la lumière, toi? Non? Non. C'est soit à droite, soit à gauche? Ok. J'espère que la suite va être aussi bien que la suite des premiers et deuxièmes épisodes. Donc j'espère, je le redis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si vous êtes comme moi aussi super excité de savoir la suite de cet épisode. Et donc je vous dis à plus tard. Allez, salut. Some protection, but I'm a kid like everyone else.